La langue. Professeur, pourquoi ce type de mouvement? Nous voyons les bus dehors, nous voyons les élèves en train de monter. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Une très bonne question de votre part. Vous savez, le monde est en train de se moderniser. Le monde est en train de s'informatiser. Le monde est en train de se développer sensiblement. Malheureusement, nous oublions tout de ce que nous étions, de ce que nous sommes, de là où nous allons, d'où nous venons. Nos enfants ne connaissent pas beaucoup de choses qui cadre avec l'origine de la vie, qui cadre avec la terre, qui cadre avec leur histoire. C'est ainsi que nous les amenons dans un endroit très bien adapté où ils peuvent voir des théories que nous sommes en train de les administrer. Eh bien, ils seront bien nourris. En tout cas, nous en sommes très reconnaissants. Alors, précisément, ils vont acquérir cette connaissance précisément où, à quel endroit de la ville de Lubumbashi? Ils se dirigent au musée de Lubumbashi. Là, il y a les professeurs des universités qui vont les encadrer. Aujourd'hui, je ne suis là que pour les guider, pour les amener, en fait. En tout cas, professeur, nous tenons vraiment à vous remercier pour cette initiative. Et en tout cas, vive le complexe scolaire Trédès. C'est moi qui vous remercie. Merci. Voilà. Monsieur le professeur, vous dirigez où? Avec ses élèves. Nous dirigeons vers les musées de l'Espagne. Vous pouvez quoi se promener? Juste aller visiter une jeune sur la culture africaine. C'est ce que je veux voir, historique.
Évidemment, évidemment, c'est une bonne question. C'est juste relié à cette réalité. Nous allons relier les deux éléments, la théorie que nous donnions en classe et la pratique que les enfants doivent faire.